camping municipal hyper paisible, le village de Verre avec son marché typique et son restaurant bien connu dans la région, mais aussi la visite de Cahors, de Saint-Cyr-la-Popie et une balade à flanc de rocher sur un chemin de halage pas comme les autres. Alors c'est parti, viens nous retrouver au camping. Salut les voyageurs, il s'agit ici de la cinquième étape d'un périple qui nous fait passer du Doubs à la côte atlantique. Les étapes se trouvent dans cette playlist. Un saut de puce nous fait passer de Cap-de-Nac-Gare, près de Figeac, à Verre. Et depuis le camping municipal de Verre, on retrouve à deux pas le chemin de halage de Bouziès, un des plus beaux villages de France, Saint-Cyr-la-Popie, et l'agréable ville de Cahors. Voilà un camping idéalement situé. Le camping L'Arquette se trouve à Verre, un village au bord d'une boucle du Lot. En y regardant de plus près, on remarque une situation privilégiée du camping qu'une petite route pentue mais sans difficulté permet d'atteindre. Les 66 emplacements se répartissent de part et d'autre d'une allée centrale. À deux pas, on se baigne dans le Verre, on accède à un marché, à l'épicerie du village et à un super restaurant. On parle ici d'un camping municipal avec assez peu de visibilité. Ici, pas de réception ouverte de 7h à 21h non-stop, ni d'animation, ni de piscine, ni de supérette, ni de restaurant, mais quel calme au bord de l'eau. J'ai par ailleurs trouvé un bel article dans le Petit Futé 2022 qui confirme que c'est un lieu tout calme, propice au repos et à une reconnexion avec la nature. Un petit cabanon à l'entrée qui sert de réception quelques heures dans la journée et bien de la place pour garer le camping-car en arrivant. On devine déjà le Lot à deux pas des emplacements. On arrive assez rapidement à l'unique bloc sanitaire, les bacs à vaisselle sont à l'extérieur, pour le reste, tout est à l'intérieur, bien protégé des intempéries. L'air de trop s'enfoncer là, ce qu'on voit. Les 66 emplacements se répartissent de chaque côté de l'allée centrale, sachant que les emplacements côté du Lot sont les plus grands. De l'électricité en suffisance, et plus on avance, plus la végétation est dense. Donc si vous êtes équipé d'antennes satellites, il faudra probablement favoriser les premiers emplacements trouvés. Nous avons trouvé le nôtre. On compte un peu plus de 100 mètres carrés, simplement délimité par les arbres. Oui, c'est bien vu. Il est maintenant temps de nous installer sans nous compliquer la vie dans des manœuvres.
petit coup d'œil sur l'environnement fluvial du camping. Un municipal, par définition, c'est assez génial parce qu'on ne se prend pas la tête avec des réservations, mais ça peut être vu par certaines personnes comme trop modeste, pas de piscine, pas d'aire de jeu, pas de bar et d'autres services. Son gros point fort, c'est son environnement nature au bord du Lot. Quant à son petit moins, pour ce qui nous concerne, c'était la distance pour rejoindre l'aire de service située dans le haut du village et qui oblige à quelques manœuvres. Pas bien grave. Alors là, on est particulièrement bien placé en prix, puisqu'on est à peine plus cher que certaines aires qui ne présentent pas toujours un environnement aussi bucolique. C'est en tout cas assurément bien moins cher que nos campings suisses, avec souvent la taille des emplacements rikiki, pour des tarifs qui avoisinent les 40 euros par nuit. C'est comme ça. Le camping se trouve là où le Vair se jette dans le Lot. Le Vair est rempli de truites, avis aux camping-caristes pêcheurs, et on s'y baigne tout l'été dans une eau vivifiante et limpide. C'est aussi le marché aux saveurs qui se tient à deux pas du camping, tous les jeudis en fin d'après-midi sur la place du communal. On y trouve de nombreux produits régionaux servis par des commerçants truculents. Aussi le jardin des Murmures, d'une centaine de mètres carrés, inauguré en 2015 et divisé en plusieurs carrés paysagers, sans oublier les balades sur les bords du Vair en amont du village. Notre resto coup de cœur est aussi à deux pas du camping, il s'agit de l'hôtel-restaurant de la Truite d'Or, c'est un logis de France.
La terrasse à l'arrière du restaurant est très confortable et les menus sont pleins de beaux produits bien travaillés si on aime par exemple le foie gras, le riz de veau et la truite de la région. Sur la place Gambetta à Cahors, ville de 20 000 habitants, ses habitants sont appelés les Cadurciens. Deux parties sont particulièrement intéressantes. La vieille ville, remplie de nombreux monuments historiques, et notamment la cathédrale Saint-Étienne, mélange de styles roman et gothique qui permet d'accéder à son splendide cloître. Quelques courses, la halle de Cahors présente des comptoirs de produits régionaux, chics et très bien présentés. Très intéressant de la ville de Cahors se situe au niveau du pont Valentré, un très bel exemple d'architecture de défense du Moyen Âge. Au pied du pont, la maison de l'eau et ses expositions permanentes et temporaires sur la thématique de l'eau. À peine plus loin, la fontaine des Chartreux, résurgence calcaire, lieu de culte connu depuis le 1er siècle avant notre ère, et encore une source qui alimente Cahors. Quittons maintenant la ville pour nous ressourcer au bord du Lot à Bouziès, tout petit village à deux pas de Saint-Cyr-la-Popie. Le sentier est toujours plus étroit et bordé par de hautes falaises et on finit par emprunter ce chemin de halage de près d'un kilomètre de long, creusé à même le rocher vers 1845 pour faciliter le trafic des gabarres sur le Lot. À la sortie de cette partie très typique du chemin de halage, on trouve une des nombreuses écluses et son spectacle sans cesse renouvelé qui attire les promeneurs curieux. Parce qu'en fait là, je peux te garer. Parce que la route traverse. Bah ouais, mais.
Classé parmi les plus beaux villages de France, il y en a un qui n'usurpe pas cette appellation, c'est bien Saint-Cyr-la-Popie. Tout droit sorti du Moyen-Âge, c'est un dédale de petites ruelles, d'échoppes médiévales, de maisons renaissance qui vous y attend. Voilà une bien belle étape de notre périple qui se termine pour son camping paisible et ressourçant, ainsi que pour ses trois découvertes à moins de 20 km du camping. La prochaine étape nous emmènera tout près de Brantôme et nous serons logés dans un camping tenu par de sympathiques Hollandais. Ce camping se trouvera dans une forêt de pins, ce qui donne un cadre magnifique, mais c'est qu'il y a aussi pas mal de manœuvres pour être garé correctement. Pour ne pas louper ce futur épisode, et si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi, c'est un encouragement pour une petite chaîne comme la nôtre, surtout si ce type de format, toutes les 2 à 3 semaines, avec du montage et pas trop de blabla, te plaît. Alors, à bientôt.